Ce projet, initialement, donc c'est la région qui a souhaité mettre en avant les métiers, on va dire, de l'artisanat qui entoure le bois, la couverture, la pierre. Lors de la présentation de cette idée, nous avons pensé que peut-être il était judicieux de découper ce projet-là en deux parties. La reconstruction, non pas comme une maquette, mais plutôt à l'échelle 1 d'une travée historique de Notre-Dame de Paris. Alors une travée historique, ça veut dire quoi? C'est grosso modo un ensemble de charpentes qui fait 4 mètres de profondeur, mais sur 14 mètres de largeur et 9 ou 10 mètres de hauteur. Et de reproduire à l'identique, c'est-à-dire à l'échelle 1, ce qui a été fait il y a 800 ans, donc en 1250. Le deuxième aspect, c'était finalement pour montrer l'envergure totale de la charpente, de faire une sorte de maquette. Cette maquette-là serait recouverte par de la couverture et permettrait de mettre en avant, cette fois-ci, les métiers de la couverture, de la zinguerie, etc. On travaille avec des bois qui sont en verre. En verre, ça veut dire que, originellement, ces bois arrivés par la Seine étaient transportés donc dans l'eau et ils étaient travaillés complètement mouillés, ce qui n'est pas du tout une technique actuelle. Donc le fait de refaire la même chose à l'identique va permettre à l'université finalement de regarder un petit peu le comportement des charpentes usinées de cette manière-là. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 2,8 millions hectares de forêt, 900 000 hectares de chênes, autant à peu près de pins maritimes, et puis toute une diversité d'essences, hein, dont le douglas, le châtaignier, le peuplier, etc. Lorsque j'ai su qu'il y avait une maquette donc de Notre-Dame qui allait être réalisée, tout de suite, j'ai dit, non mais attendez, le bois, il faut qu'on le trouve en local. Donc nous, on connaît la propriété, on connaît des scieurs, etc. Donc on va vous aider, et on va vous aider à donner une image aussi globale de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc la partie de la maquette à l'échelle 1, qui est une copie stricte hein, de l'original, elle, bien sûr, en chêne. Entre la forêt et puis la charpente, il fallait bien sûr des transformateurs. Et les transformateurs, je l'ai dit, on a 56 000 emplois dans cette région, des scieries réparties un petit peu partout. Il fallait trouver des scieries spécialisées sur ces grandes dimensions de gros bois en chêne. Quand on nous a demandé de fournir ou de trouver des pièces et de scier des pièces pour cet échantillon, cette quatre fermes, plus les chevrons formant ferme, on a tout de suite dit oui. On a ensuite reçu les dimensions, on s'est rendu compte que c'était du domaine du réalisable, pas simple, mais tout à fait réalisable, que techniquement c'était quelque chose d'ailleurs assez surprenant, parce que je m'attendais à avoir des dimensions beaucoup plus importantes. Or on est sur des sections, longueur importante, mais des sections qui sont relativement raisonnables. On peut leur faire confiance, ça fait quelques centaines d'années que c'est debout. Ils savaient quand même ce qu'ils faisaient. Mais par rapport à ça, on a été surpris, agréablement surpris, et on a travaillé ce projet. Donc on a une équipe d'une quarantaine de personnes, une équipe exploitation forestière, un ensemble de grumiers qui nous permet de rentrer nos bois ronds à la scierie, et deux lignes de sillage, une ligne de sillage pure et dure, traditionnelle, et un atelier de merrain, fabrication de douelles. L'engouement de nos équipes pour ce projet-là, oui, c'est quelque chose qui parle. Donc ça a forcément parlé à nos gars, et le fait de mettre la main sur une pièce qui va peut-être un jour aller là-bas, c'est quelque chose de fort pour nous. Il fallait également pouvoir livrer aussi bien Anglette, Saint-Mexan, Dax, Feltin, etc. Et donc là, on a mis aussi en place tout un réseau donc, de transporteurs et de fournisseurs. Nous venons de décharger aujourd'hui les pièces de bois de la scierie Delors. Nous avons un projet de reconstruire une partie de la charpente de Notre-Dame. La demande de la région, c'est une charpente d'une partie de la charpente Notre-Dame à l'échelle 1. On va devoir utiliser les méthodes ancestrales de notre métier, qui vont nous permettre de pouvoir en fait refaire la charpente, une partie de la charpente Notre-Dame, comme à l'époque. On vient de recevoir le bois. La prochaine étape, donc on va orienter, on appelle ça en termes charpentier, notre chantier, pour pouvoir décider de quel bois va aller où. Nous allons procéder au tracé des épures. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un tracé au sol, où on va représenter exactement la forme de la charpente qu'on va construire. L'étape d'après, ça sera le taillage, où là, on aura entre 20 à 35 jeunes qui ont participé à ce projet-là. Pas mal de travail à la main, et puis emploi de techniques anciennes, c'est-à-dire qu'on travaille avec des bois gauches, donc ils sont courbes, dans un ou deux plans, et parfois vrillés. Le bois, c'est du chêne, puisqu'à l'époque, les charpentes se faisaient essentiellement en chêne, donc c'est un bois très noble, et justement, c'est un bois qui a une résistance mécanique assez élevée.
qu'il y a toute une partie de taille commune qui va se faire à l'atelier d'Agen. C'est la partie des pièces qui vont relier les fermes entre elles. Je viens de commencer la formation début septembre avec le Greta au niveau du CAP charpente ossature bois. Donc c'est une vraie reconversion, j'étais dans le tertiaire plutôt dans la comptabilité et donc c'est un choix vraiment personnel. Et lorsqu'on m'a présenté ce projet qui est une reconstitution de la ferme de Notre-Dame, j'étais assez surpris qu'on travaille sur des grandes longueurs et aussi très excité pour le coup. C'est très intéressant, c'est-à-dire de voir les anciennes techniques puisqu'on n'utilise quasiment aucun nouveau matériel, de comprendre comment il travaillait à l'époque. Mon but premier ici, c'est vraiment d'apprendre en fait les bases du métier et la technique. Participer à ce chantier de la charpente de Notre-Dame, donc c'était vraiment très intéressant de découvrir en fait ces techniques-là et comment ils pouvaient travailler à l'époque sans tous les outils qu'on a maintenant à notre disposition. Le fait d'expérimenter les techniques anciennes pour les stagiaires, ça nous fait explorer la charpente à travers les siècles. Ils ont bien compris l'évolution des techniques, d'où viennent les techniques qu'on utilise aujourd'hui. Ça leur fait travailler énormément la vision dans l'espace. Donc pour eux, c'est un vrai cadeau. Nos jeunes vont pouvoir se confronter à la réalisation d'antan, quoi. Donc c'est super pour eux, c'est très intéressant. On est quand même sur un produit à fabriquer qui est très très peu commun et qui montre quand même aux stagiaires qu'ils sont à la fois héritiers de compétences du passé et qui leur montre aussi que ces compétences, elles sont actives aujourd'hui encore. Ça ne se présente pas deux fois dans la vie de quelqu'un que de travailler sur un monument historique aussi emblématique que la cathédrale Notre-Dame, ça c'est évident. La réalisation des fermes que nous avons à faire, ça va être réalisé avec des CAP deuxième année et première année de BP, puisque les apprentis qui arrivent tout juste dans le bâtiment ne sont pas encore assez affûtés pour commencer à tailler une charpente pareille. Donc justement, c'est vraiment le principe de pouvoir mettre en avant les compétences que nous enseignons dans nos centres de formation et surtout de pouvoir rendre compte de la réalité d'une structure aussi grande par son échelle et de pouvoir mettre à profit leurs connaissances qu'ils ont déjà acquéries durant les premiers cycles où ils sont venus ici. C'est des jeunes qui sont en apprentissage, qui ont entre 15 ans et 25 ans. Il y aura vraiment une belle formation parce que ces jeunes qui ont 25 ans ont un peu plus d'expérience que les plus jeunes. Et donc il y aura une sorte de retransmission qui nous est chère, nous, aux compagnons. C'est la capacité d'adaptation de nos formateurs. Et ils ont pris ce projet, presque, je mets des guillemets, du jour au lendemain. Hein. Ils l'ont incorporé dans le cursus pédagogique d'une formation qui correspond à un cahier des charges donné. Ils ont réussi à le faire, ils ont réussi à intéresser des stagiaires. Ils avaient eux-mêmes les compétences sur le sujet, mais ce n'était pas simple et ils l'ont fait. Voilà. Moi, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant, c'est le professionnalisme de nos formateurs. Ça nous fait rentrer dans une époque où la France était à la pointe de l'architecture mondiale et où on détenait les meilleurs architectes, les plus innovants, les plus audacieux. C'est à la fois un chantier test pour nos jeunes qui taillent du bois à l'échelle 1, mais c'est aussi un chantier test pour la France, à savoir comment vont bouger, comment va travailler l'édifice. Sur l'aspect charpente à l'échelle 1, il faut donc produire les plans. La production de plans, Université de Bordeaux, École d'architecture et puis moi, avec le concours de Rémy Fromont, ces plans-là sont livrés aux différents centres de formation qui vont pouvoir fabriquer ça. Ensuite, une fois que c'est fabriqué, c'est transporté sur le lieu d'exposition qui est choisi, qui est Feltin. Ça va être monté par les mêmes équipes. Cette charpente, une fois qu'elle a été montée, elle va servir de support à un projet universitaire qui va appareiller cette structure-là durant 2-3 ans, de manière à la mettre en charge et de regarder un petit peu comment cette charpente vieillit. Et puis, au niveau de cet état d'esprit, quoi, un peu le respect pour les très grands ouvrages et le respect pour l'audace de ceux qui nous ont précédés. Pour l'aspect maquette à l'échelle 1/10, l'idée a été de reproduire quasiment à l'identique le support de la charpente, mais la totalité de la charpente de Paris. Ce support-là permet donc aux visiteurs ou aux jeunes de voir un petit peu la configuration de cette charpente-là. Donc une fois que les supports ont été fabriqués par le lycée Rantazieff, ensuite transportés sur Feltin et qui servira donc d'élément d'exposition. Et cet ensemble-là, les deux projets, seront donc mis en scène de manière à raconter une histoire qui intéresse le public.
J'apprends les fausses matières, j'apprends à faire des fausses briques, du faux bois, du faux marbre. À l'intérieur des cathédrales, on pourrait refaire des faux miroirs, des faux... on peut refaire tellement de choses, faire revivre tout ça. Mon rôle sur le projet donc Notre-Dame de Paris, c'est de travailler sur la maquette à l'échelle 1/10. Je l'ai d'abord dessinée sur un logiciel tridimensionnel qui s'appelle CADWORK. À partir donc des informations qu'on a pu obtenir globalement de l'architecte des bâtiments de France. À partir de ces informations-là, j'ai dessiné cette maquette et je l'ai décomposée, donc, on va dire, simplement donc, en panneaux, de telle façon à mettre en évidence donc, l'autre aspect donc, qui est la couverture et la zinguerie. La maquette à l'échelle 1/10, on s'est permis de dire qu'il y a d'autres essences en Nouvelle-Aquitaine, donc on va faire une structure en pain maritime, une couverture un peu pliée. Il nous manquait aussi à parler du Douglas. Finalement, on a décidé de simuler la couverture en plomb de Notre-Dame par une volige en Douglas. Voilà. Mais il fallait respecter le poids du plomb. Donc cette volige, elle va faire 90 mm d'épaisseur. On va mettre trois couches de volige, en fait, hein, pour arriver à simuler le pan de la travée. On a décomposé ce projet en éléments simples et en éléments plus complexes. Les éléments les plus simples donc, sont traités par les classes de Bac Pro et quelques classes de BTS. Et la partie la plus complexe, où les pièces sont, où il y a des angles compliqués, se décline donc sur les classes de BTS ERA et DRB. L'idée, c'est de montrer un petit peu ces gestes de métier, un petit peu comme c'était fait avant, mais surtout ce qu'on est capable de faire maintenant sur cette couverture. Alors cette maquette, même si elle est à l'échelle 1/10, est la représentation de la réalité. Elle va faire quand même 10 mètres de long et 5 mètres de haut. On est quand même sur quelque chose qui est volumineux, mais c'est aussi la représentation de l'immensité de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, si on se positionne d'un point de vue étudiant, de ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a un engouement. On travaille sur un projet réel, et dès que les élèves travaillent sur un projet réel, ils mettent donc beaucoup de motivation et ils portent énormément d'intérêt. Depuis que notre président, M. Macron, a décidé que la charpente se ferait à l'identique, ce qui est à dire en bois, eh bien, la maquette, qui est une maquette d'une travée, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il va y avoir 6 fermes. Hein. Enfin, il y a 2 fermes extrêmes plus 4 chevrons formant ferme au milieu, donc on a vraiment un gros élément, ce n'est pas une simple ferme qui va être tenue par des haubans. En forêt, il n'y a pas aujourd'hui une coupe qui ne soit reconstituée. Alors, soit de façon naturelle, régénération par les glands que vous voyez partout par terre sur cette forêt, hein, soit de façon artificielle, hein, parce que les sols, finalement, le changement climatique, etc., font qu'il faut peut-être changer d'essence. On a de la replantation en interne chez nous, mais on a aussi du conseil sur la régénération naturelle de chênes, puisque ça, c'est quelque chose qui marche bien, qu'on sait faire, qu'on maîtrise. L'Office national des forêts, qui aujourd'hui ont une sylviculture, qui pérennise la forêt de chênes et la forêt d'une façon générale en France. Vous savez, finalement, la charpente de Notre-Dame, ce ne sont jamais qu'une dizaine d'hectares de chênes. Je vous ai dit, il y en a 900 000 en Nouvelle-Aquitaine. L'idée initiale, c'est de faire participer tous ces jeunes, les jeunes des différents centres, les jeunes ici pour la fabrication numérique, les jeunes dans les centres compagnoniques ou les centres d'éducation nationale pour faire de la taille de charpente. Donc c'est surtout mettre en avant les différents savoir-faire que l'on rencontre dans ces lycées numériques, traditionnels, etc. Il y a de la pluie, il y a du froid, mais en tous les cas, ça n'arrête pas les charpentiers. Ils bossent depuis plusieurs jours d'abord à assembler l'ensemble des pièces qui avaient été taillées, puis évidemment d'élever cette charpente, cette travée. J'oublie pas les couvreurs qui eux aussi sous la pluie sont en train de couvrir la maquette dans le froid et le zinc, c'est pas facile à travailler dans le froid. Et effectivement, il a fallu 8 heures pour élever avec des engins particuliers cette travée. Souligner le travail collaboratif qui a été fait, c'était vraiment l'essence de cette chose-là. Remercier l'ensemble de tous ceux qui ont participé à ça. Et j'ai envie de leur dire, soyez fiers de ce qui a été fait. Et surtout, ne nous arrêtons pas à simplement ce moment-là. Ce moment est une étape parmi d'autres qu'on a à construire ensemble pour faire en sorte que ce lieu de formation et puis les magnifiques métiers de la rénovation du patrimoine soient aussi des métiers du futur.